semaine va être importante pour nous, parce que cet après-midi, on aura une conférence de presse européenne sur le problème de notre index européen. Et puis dès demain, jeudi et vendredi, se tiendra à Rennes le forum des SOS hépatiques où on va militer, échanger, participer de façon directe et démocratique entre les malades et les soignants. Et ça, je crois que ça va être intéressant de mettre en perspective les nouvelles problématiques. On va vous présenter rapidement notre sujet. Je suis très heureux et fier d'accueillir Tatiana qui est avec nous ce matin, qui est la présidente d'ELPA. ELPA, c'est une association européenne d'usagers sur laquelle les gens des SOS hépatiques, il y a 10 ans, avaient appelé tous leurs voeux à la création d'une association européenne. Et on est content de voir qu'aujourd'hui, cette association a pu prendre de l'ampleur. Et nous, on l'a rejoint et on a travaillé avec eux et on continuera de travailler avec eux. Je pense que c'est important dans la démocratie sanitaire de rappeler que l'index dont on va parler là ce matin est typiquement une invention d'usagers. La question, c'était comment on peut se comparer entre différents pays européens. Qui fait quoi? Comment se font les choses? Qu'est-ce que c'est qu'un plan national quand on est en Belgique, en Italie, en Grèce? Et on voyait bien qu'on n'avait pas de politique forcément cohérente. Eh bien, c'est les associations de patients, c'est ELPA, qui a dit on va mettre en place un index européen et on va se comparer. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir annoncer ça. Voilà, je vais laisser la parole à Tatiana. I am very happy to have you with us today. Thank you. It's a great importance for us to have ELPA, I'm the president of ELPA, to speak to us about the index. Thank you very much. So, good morning to everyone. I'm very happy to be here and thank you for your kind invitation. I'm sure France, as a best practice example, will give more courage to the other European countries. You all know that in Brussels, two weeks ago we launched the index findings at the European level. So the key findings are following: the high prevalence of viral hepatitis all over Europe, low detection rate due to lack of consistent screening programs, especially among high-risk groups. Then significant increase in late stage of viral hepatitis, such as cirrhosis and hepatocellular carcinoma. And a high inequality with regard to access to treatment options within and between countries and between EU regions. So the main areas for improvement that we have identified: access to testing and treatment, because once screened, lots of possibilities for effective treatment exist. Patients' empowerment is part of the solution. Patients need to be involved in the design and implementation of national strategies for these to succeed. Well, this is an exciting time for those of us involved in improving the treatment of liver diseases. And if all of us can work together closely, then I'm sure that we can bring about a step change in the way health systems deliver care for patients with liver disease. Est-ce qu'il y a une ou deux questions destinées à Tatiana? Where in Europe we can get tree therapy? There are few countries where triple treatment is accessible for the patients. There are some existing areas in Germany. At this moment, I can say that in Europe, we have two standards of care. One is for, let's say, more west, richer European countries. And the other one is for the eastern European countries with low incomings. Je dois dire que moi, j'ai essayé, je suis allé voir sur le site de l'agence qui a fait ça. J'aurais bien voulu qu'on ait avec ça non seulement les résultats, mais comment ça a été fait? C'est-à-dire, quelles étaient les questions posées, à qui et qui a répondu? The data were collected from two sources: hard data and soft data. It's all publications, all written papers on existing data. That's hard data. And then, besides that hard data, there were questionnaires and surveys
sent to patient groups and to the experts. There were differences between the data that government shows and the data that patient groups shows. And then governments had the second chance to correct their data. In maybe 80%, these data later on were corrected by the government. We are very much aware that as any survey, as any index, this is not the perfect one. And this is not scientific report. This is not scientific report. This is just... C'est un outil de plaidoyer, c'est notre vocation. Yeah, yeah. This is just a tool. This is just the first step. This is just beginning. Now we go. Now the real work starts. Now. Ça, j'ai entendu sur la perfectibilité de l'outil. Effectivement, on peut en critiquer la méthodologie, mais il s'agit bien d'un outil de plaidoyer qui permet d'avancer. Il m'appartient de vous présenter les résultats plus en détail de l'index, et en particulier avec quelques éléments plus spécifiques concernant la France. Donc, juste quelques éléments de méthodologie sur cette enquête. Donc, cet index, il est calculé à partir de 27 items qui sont classés en 5 sous-types. La prévention, le dépistage, l'accès au traitement et les procédures, les stratégies nationales, les applications des droits des patients et enfin les résultats. Sur la question de la prévention, vous voyez que les résultats pour la France, en tout cas, sont mitigés. Donc, en matière de prévention, je dirais, ce que dit l'indice, c'est qu'il y a des progrès à faire en France en particulier, si on compare à l'ensemble des pays européens. Sur les questions du dépistage, le score français est plutôt bon si on le compare, mais en même temps, et on fera le focus, avec des manques qui restent à travailler. Là où la France a un domaine d'excellence qui apparaît très nettement dans l'index, c'est sur l'accès aux soins et aux traitements, où là, on peut le dire, on a une nette avance. La France arrive en premier sur ce classement. Ce dont on peut se réjouir, même si évidemment ça ne signifie pas que tout soit au vert et qu'il n'y ait pas encore d'efforts, comme nous l'avons dit. Donc après cette présentation rapide de l'index, moi je vais vous faire une en tant que président des soins hépatiques, notre lecture sur les données françaises. La France en tête, est-ce qu'on peut se féliciter de cette pole position ? Non, probablement pas, parce que j'ai envie de dire, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. J'ai envie de vous dire que dans une course, dans un marathon, celui qui est en tête à 20 km ne sera pas forcément le gagnant du marathon. Donc on a 23 millions de porteurs chroniques d'hépatite virale B ou C en Europe, d'accord ? Ça fait 4,5% de prévalence. Ne tombez pas dans le piège de regarder les chiffres sur des cartes où on va vous dire que l'Europe est l'endroit du monde où il y a le moins d'hépatite virale B. Oui, il y a des pays où il y a 30% de la population qui est infectée. Oui, on est dans les pays où il y a le moins d'hépatite C au monde, or il y a 3%. Mais voyez qu'à l'échelon européen, il y a 14 millions de porteurs du VHB et 9 millions de porteurs du VHC. Ça veut dire que globalement, on est à 3,5% de porteurs d'hépatite B et 1% de porteurs de l'hépatite C. C'est responsable de 125 000 morts par an à l'échelon européen. Alors nous, on est à 5 000 morts par an. Et c'était notre leitmotiv à SOS Hépatite, c'est de dire que les hépatites virales tuaient autant que la route. Et je vous renvoie à notre affiche qu'on avait fait pour dire ça. Et à la réaction de nos autorités sanitaires qui nous avaient traités de menteurs, qu'on n'avait pas le droit de dire que l'hépatite C tuait autant que la route. Mais on sait qu'un jour ce sera prêt parce qu'on fait des progrès sur la sécurité routière et on fait aussi des progrès sur les morts d'hépatite. Les points forts pour nous en France. Alors, il y a une stratégie, il y a un plan national. Donc oui, on est fiers d'avoir un plan national. Et on est fiers d'avoir eu plusieurs plans nationaux. Pour autant,
dans nos rencontres au ministère dernièrement, se pose la question, devant plus de 50 plans, de faire disparaître certains plans. Et il se pose déjà la question de dire, bah, le plan hépatite, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire glisser sur VIH et infection sexuellement transmissible, ou peut-être du côté des addictions. On voit bien qu'on est fragilisé dans la reconduction de ce plan. On voit bien qu'on est aussi fragilisé, et je sais que c'est un sujet qui est cher à Michel, sur l'évaluation en région de notre plan national. Avoir un plan national dans la décentralisation de la santé, c'est aussi avoir des plans en région. Or, la région est souveraine pour ses accès sanitaires, et on peut très bien avoir des régions qui décident de ne pas prioriser l'accès, enfin la réflexion sur les hépatites virales au niveau régional. Donc, on sait qu'il y a des groupes qui ont travaillé, Michel Bonjour en tant que vice-président du plan et représentant les usagers, a insisté pour qu'il y ait des groupes de travail sur l'évaluation du plan en région, et c'est probablement là où on est le moins bon, sur le retour de qu'est-ce qui se fait en région par région, comment les choses ont été faites. La deuxième question qui fait que c'est un point fort, c'est la recherche publique. Alors oui, l'industrie pharmaceutique fait de la recherche partout en Europe et dans le monde, mais on peut être fier d'avoir la NRS, l'INSERM, d'avoir de nombreux programmes de recherche publique et d'avoir un financement d'État sur cette recherche. Et ça, je pense que c'est un des points forts, probablement, aujourd'hui. On a aussi une excellence des pôles. Les pôles de référence sont excellents. Ils ont su s'organiser sur un modèle qui était celui du VIH. Pour autant, aujourd'hui, ils sont excellents, mais ils sont fragiles. Ils sont excellents dans les compétences. Ils sont excellents dans la recherche. SACCHU a été doté d'un pôle de référence hépatite virale. Et on voit bien, comme à des endroits comme Angers, des pôles de référence et des pôles d'excellence ont déjà été supprimés, ne sont plus financés. L'accès aux soins. Bien sûr qu'on a un accès aux soins qui est favorisé en France de par notre statut d'accès à la sécurité sociale. On a un accès aux soins qui est facilité. On a un accès au traitement qui est facilité. Donc c'est culturel chez nous et c'est un point fort. On n'en disconvient pas. On a la faiblesse aussi que croire que dans les points forts, il y a la présence associative. SOS Hépatite existe depuis 17 ans. Et probablement que même si on n'est pas aussi grand et aussi fort qu'on le voudrait, on a influé, on a eu notre place dans les décisions politiques et dans ce choix. On est le poil à gratter, et ça, je crois que c'est important. Des marqueurs non-invasifs de fibrose, ça aussi, ça nous semble pour nous être un point fort important. Le FibroScan est une invention française, se généralise au niveau européen, au niveau mondial. Les marqueurs non-invasifs de fibrose, que ce soit le fibrotest, le fibromètre, etc., sont des choses qui ont été travaillées de longue date en France et qui se mondialise largement. Donc on voit bien qu'on a toujours été proactif et qu'on a une recherche en hépatologie en France qui est vraiment quelque chose de dynamique et qui explique probablement notre première place et l'accès au traitement et pourquoi on a de si bons résultats. Voilà ce que nous, en tant qu'usagers, on repère comme des points forts qui expliquent nos résultats et des points forts sur lesquels on ne veut rien lâcher. Il n'est pas question d'accepter de perdre des points forts. Nos points forts doivent être renforcés. Les points faibles pour la France. On pense pour nous, SOS Hépatite, représentants d'usagers, qu'on est dans une opposition prévention et du soin. C'est exactement la même chose, et on nous l'a prouvé en cancérologie, que le soin thérapeutique ne doit pas être un moment où on passe au palliatif. C'est un tuilage. On doit avoir une prévention, et en cas d'échec de la prévention, on doit avoir du thérapeutique. Mais on ne doit pas avoir la prévention où on s'arrête, et puis le thérapeutique derrière. On a un mauvais tuilage en France entre la prévention et les soins. On a des générations sacrifiées. Et je pèse mes mots, et c'est une prise de position politique des SOS Hépatite. Des générations sont sacrifiées. Il faut avoir une politique de rattrapage. Générations sacrifiées aussi. À l'époque, on a voulu dire on va faire tout sur la vaccination, et du coup, on a oublié le dépistage. Comme si on pouvait dire on vaccine, et puis les plus âgés d'entre nous, nos seniors qui ont l'hépatite B, tant pis pour eux, au moins pour les générations futures, il y aura le vaccin. Non, il faut avoir des soins forts et une prévention forte. Incapacité à absorber les files actives, ça c'est important pour nous. C'est toute la réflexion sur qu'est-ce qui est humainement acceptable d'attendre. Quand on dit en hépatologie, côté médical, il n'y a pas d'urgence, on peut attendre 3-4 mois, est-ce que quand on m'annonce que je suis porteur d'une maladie, il est acceptable d'attendre 4 mois pour voir un spécialiste, pour se faire rassurer ou discuter des choses? Ça, c'est pas acceptable. Absence de communication institutionnelle. On a une réflexion aussi sur le fait que vous ne verrez pas à la télévision un spot télé de l'État sur les hépatites virales. L'État a été particulièrement en deçà de ses attentes
de ses attentes face à une épidémie comme celle-là. Et je rappellerai une phrase qui est intéressante, c'est qui sont les gens qui sont le plus en contact avec d'autres personnes et qui prennent le plus de risques de transmettre des maladies, c'est les chirurgiens et les travailleurs du sexe. Donc s'il y a des gens épidémiologiquement qu'il faut mettre sous surveillance et qui ont les mêmes fonctions, qui rentrent dans les autres ou qui se font rentrer dans les autres, c'est les chirurgiens et c'est les travailleurs du sexe. Je suis un peu provocateur, mais c'est bien pour montrer qu'on doit regarder cette épidémie par les deux bouts. Et si on regarde l'épidémie par les deux bouts, qui sont les gens qui sont le plus en contact avec d'autres personnes épidémiologiquement? C'est les chirurgiens et les travailleurs du sexe. Donc considérons-les de la même façon avec des programmes spécifiques. Prison immigrants, on a voulu mettre ça ensemble parce que pour nous, c'est toute la question des gens qui sont sur un accès à la loi différent. Je veux juste mettre en avant qu'il va falloir repenser le soin. On dit, et c'est dans les tables de la loi en France, que le fait d'être incarcéré ne doit pas opérer l'accès aux soins. On doit avoir les mêmes soins à l'intérieur de la prison qu'à l'extérieur de la prison. De la même façon, les usagers de drogue, on parlait tout à l'heure de l'enquête qui a été faite par SOS Hépatite, les XAPA sont encore en difficulté parce que le soin en addictologie est de plus en plus somatique. Il y a eu l'épidémie du VIH, mais dans l'étude qu'on a faite, on n'a pas plus de dépistage de VIH, or que l'épidémie est là depuis 30 ans, que de dépistage d'hépatite C ou d'hépatite B. Donc, absence de réduction des risques, c'est dans toutes les préventions. C'est clair que la réduction des risques sur les hépatites virales, la première réduction des risques, c'est la vaccination dans l'hépatite B, mais c'est aussi l'accès à du matériel correct pour l'hépatite C. Mais on voulait surtout insister sur une stratégie de réduction des risques. Quand on a une hépatite, c'est comment ne pas aller à la cirrhose, et quand j'ai une cirrhose, comment ne pas aller au cancer, et comment je me dépiste, et comment je peux être pris en charge précocement si j'arrive à un cancer. Et le dernier point, c'est la transdisciplinarité. On ne croit pas à la multidisciplinarité. Une succession de prise en charge d'excellence, de consultation d'experts d'excellence ne fait pas une prise en charge excellente. On peut avoir des experts moyens et une prise en charge excellente parce qu'on aura de la transdisciplinarité, parce que je sais pertinemment ce que mon collègue va dire et comment il va travailler. Là, c'est excellent en termes de prise en charge parce que je connais mon voisin. Je suis agrégé, je suis au courant des dernières molécules, j'ai lu tous les papiers dans le New England et ce n'est pas pour autant que la prise en charge de mon patient va être excellente parce que je ne connais pas mon assistante sociale, parce que je ne connais pas mon psychologue ni mon dermatologue, etc. Donc une succession de prise en charge excellente n'est pas une excellente prise en charge. Les opportunités, elles existent. Où elles sont à venir, c'est anticiper la pandémie de cirrhose et de cancer. Le cancer du foie est l'un des 5 cancers en France qui explose en nombre absolu. Il double régulièrement. Le cancer du côlon est stable, le cancer du sein est stable. Il y en a beaucoup plus que du cancer du foie, je suis d'accord. Mais si on s'intéresse épidémiologiquement, il faut mettre de l'argent, des finances et de la réflexion sur pourquoi on a une épidémie de cancer aujourd'hui en France. L'étrone. Pour dépister autrement, les tests rapides d'orientation diagnostique, c'est une autre façon de dépister. C'est de pouvoir faire demain un travail de préventologue. C'est de ne plus avoir dans les mains des médecins des outils de dépistage, mais c'est de réfléchir le dépistage autrement, en ayant une politique de réduction en phase d'étrode. Faire du dépistage de masse, si on n'a pas une politique de réduction des risques en face, vous pouvez aller dépister des usagers de drogue tous les 15 jours pour voir quand est-ce qu'ils vont faire leur hépatite C. Si en face, vous ne mettez pas les moyens pour qu'ils ne se contaminent pas, leur expliquer où il y a des échangeurs de sein, quel traitement ils peuvent avoir, etc., ça n'a pas de sens. Dépister la fibrose plutôt que l'évaluer, c'est aussi un leitmotiv à SOS Hépatite. C'est de dire qu'on a inventé des choses comme le fibroscan qui sont dans les mains des médecins pour évaluer la fibrose quand vous savez que vous avez déjà une maladie du foie. À quand un fibroscan sur le trottoir est proposé aux gens de « Monsieur, vous voulez savoir où en est votre foie? Est-ce que votre foie est malade ?» Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'un certain accès aux nouveaux traitements, alors oui, accès aux nouveaux traitements, accès à des nouvelles prises en charge. Le progrès ne passe pas par les médicaments, je pense qu'on l'a assez démontré. Accès à des nouvelles façons de soigner, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement du patient. On dit souvent, nous, à SOS, qu'on est dans un cheminement thérapeutique. Et que notre cheminement thérapeutique, c'est nous qui l'écrivons au jour le jour. Et dans cet accompagnement, on a bien montré par différentes études, les GOBS entre autres et autres, qu'une infirmière d'éducation thérapeutique faisait aussi bien qu'une troisième molécule. Éduquer un patient, c'est 15 à 20% de guérison supplémentaire. C'est ce qu'on attend des nouvelles molécules. C'est sur quoi on est prêt à mettre des milliers d'euros par mois en plus pour gagner 15 à 20%. Et où est l'argent pour un salaire d'une infirmière pendant un an qui va permettre à des centaines de patients de gagner 15 à 20% de guérison. Donc aujourd'hui, le scoop, c'est on n'est plus sur la trithérapie, on est sur la quadrithérapie. La trois molécules, plus l'infirmière et l'éducation thérapeutique. C'est ça le gold standard aujourd'hui qu'on voudrait avoir en France et en Europe. Voilà.
La cerise sur le gâteau, c'est de vous donner rendez-vous dans quelques mois, puisque pour nous, un des enjeux majeurs, c'est en 2013, arriver à obtenir de l'État, des sociétés savantes, l'édition, la rédaction d'un guide des bonnes pratiques sur la prise en charge des maladies du foie et des hépatites virales en particulier. Pour revenir sur l'aspect européen, est-ce qu'il y a des exemples, puisque donc on a quand même des insuffisances en France, même si on est les premiers, est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays européens qu'on pourrait vraiment transposer qui sont intéressants? Alors, je vais prendre deux exemples qui me viennent en tête comme ça, mais il y a la question, par exemple, de rendre légale et obligatoire la vaccination de l'hépatite B chez le nourrisson. On a un vaccin hexavalent. Aujourd'hui, c'est techniquement au point, on peut. Il suffit juste qu'à un moment, on ait le courage politique de dire si c'est un problème de santé publique, on dit que tous c'est dans le calendrier vaccinal obligatoire. Et on est bien dans la problématique que l'obligation de vaccination, le tétanos, il y a encore des gens qui ont la coqueluche, etc. À un moment, notre législateur, dans l'après-guerre, a eu le courage de décider d'imposer les choses à la population. C'est plus dans l'air du temps, dans le positionnement politique. On est dans la responsabilité individuelle, on préconise, on laisse le choix. Et donc, c'est encore des choses qu'on a dit au cabinet, c'est « Serez-vous le ministre qui rendra légal obligatoire le vaccin de l'hépatite ?» Deuxième exemple que je veux prendre, c'est la question, par exemple, d'aller jusqu'à l'échange de seringues en prison. C'est ce qui a été fait en Espagne, c'est de dire « Nous, ça a posé souci, mais on a légiféré. On n'a pas le droit d'avoir d'héroïne, mais en tout cas, on peut changer des seringues en prison. » Alors, on est dans cette dichotomie un peu absurde, un peu folle, mais en tout cas, vu par le, il n'est pas acceptable que des gens se contaminent pendant qu'ils soient en prison, parce qu'on n'a pas accès à la même prévention et aux mêmes soins que les gens qui sont dehors. Le forum cette année à SOS Hépatite, on a voulu l'intituler « De la différence à l'indifférence ». Et on va traiter les questions qui n'ont jamais été traitées, par exemple la question de la différence homme-femme, parce que c'est la question de la transmission d'enfants, c'est la question de... Voilà. Et ces questions-là qui ont été largement traitées déjà dans le VIH, qui n'ont jamais été mises en débat et en transparence dans la question des hépatites virales. Et on va travailler deux jours là-dessus, avec une restitution qui se fera... par un écrit, et on espère ainsi nourrir le débat et que les usagers participent au débat national en termes de politique de santé. Donc pour nous, le travail continue pour les deux jours à venir. Merci.